Franchelet, rendez-vous dans... Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on se dirige vers La Rochelle, l'île de Ré. On est le week-end de l'Ascension. Ça va derrière? Tout le monde va bien? Ouais, ça va Jeanne? Ça va Clémence? Ouais, ok. Vous êtes contente? Oui, allez, générique. On dort de La Rochelle. Bon, on n'est vraiment pas arrivé, quoi. Chant de coquelicot de La Rochelle. Un petit commentaire. Et voilà, on arrive au péage du pont. On s'est arrêté prendre l'essence au Leclerc. On est passé par les petites rues derrière. Je pense qu'on a gagné, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, facile, trois quarts d'heure. On sait pas comment on a fait, mais on a réussi à se retrouver au rond-point du qui rejoint au pont. Alors il y a un monde de tarés. Et alors que toute la cave d'oie était blindée, on a gagné jusqu'à La Rochelle. Une bonne demi-heure, on a bien fait de prendre de l'essence. Voilà, bon bah moi je prendrai quelques images sur le pont. À tout à l'heure. On est spoté là, Pénard. Allez, direction Saint-Clément. Ouais, ces maisons là, ça me fait penser à Noirmoutier, puis à l'Île-Dieu, exactement. Rue de l'Armandelle. Wow. C'est beau. On est perdu dans Saint-Clément, les baleines, ou des baleines, je ne sais plus. Et nous voilà à l'apéro. Il est quelle heure? 19h15, un truc comme ça. Ouais, à peu près. 27. Ah, 19h27. Ça va, Jeanne? Ah bah bravo. Voilà, donc on a fait notre petite visite tout à l'heure là de Saint-Clément les baleines ou des baleines, je sais plus. Voilà. Et puis bah on s'est acheté quand même du Pinot des Charentes. Quand même. Voilà. Et les chips. Et puis bah du coup on n'a pas les vélos parce que je vous montre un truc, c'est que voilà, là-haut, il y a Jeannine, ma contrebasse. Donc samedi soir, moi je suis à un concert, donc je suis en concert à L'Aiguillon-sur-Mer. Donc c'est pas très loin d'ici, hein. Voilà, faut sortir de l'île et puis il y a 20 minutes. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on est venu ici, vu que moi je connaissais pas. Voilà, très bien. Et vous avez un mot à dire? Ouais, on est bien, c'est cool. Vous êtes bien à l'île de Ré? Premier bain de l'année, ça ah bah bien. Toi tu t'es baigné, ouais, non mais... J'aurais dû carrément pu. J'aurais dû filmer ça. Non mais ça... il n'y avait pas d'exploit du tout, elle était vraiment bonne, vraiment. Oh non, j'ai mis les pieds dedans, arrête, ça caille. Non, non, bon après, tu l'as bien. Tu l'as trouvé bien, froide ou pas l'eau, Jeanne? Oui, j'ai plongé. T'as plongé un petit peu? Après, ah ouais. Surtout que la vague l'a fait plonger. Allez, on se rejoint, bah, je sais pas quand, demain sur... Allez, bisous. Et voilà, nous voilà au phare des baleines. Bon, écoute. Il est là. Il est là, le phare. On va aller visiter tout ça.
Il y a pas mal de commerce et tout. Sympa. Donc il fait 60 mètres de haut. Il a été construit en 1854 pour contempler l'île de Ré et le continent à 360 degrés, d'accord. La vieille tour, 30 mètres. Il y a un musée, voilà. Monument historique en 2014. Chloé se moque de moi parce que je dis oh comme c'est curieux. Quand on est passé, c'est des. C'est pas mal, hein. C'est pour dire on est passé par là, tu rajoutes ta propre pierre. Il suffit qu'il y en ait un qui commence et puis tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va voir les oiseaux? Oui, on va faire la réserve là, puis on verra après. Alors on va faire la réserve et puis après je passerai un petit coup de fil et puis un petit coup de fil. Deathless. De toute façon, c'est vrai qu'on a jusqu'à 19h après, on va mieux sur Hey. Ça va Philippe alors? Impeccable. Hey, super rencontre là sur l'île de Ré. Hein, avec Charles, la chaîne Les voyages d'Auguste. On l'a pas vu Auguste, hein, parce que. Mais... Ah bah il est juste à côté. Juste à côté. Bon, il nous reste du pinot. Ouais. Hey. Et puis il faudrait que je te file un disque. Ouais, ah bah oui, ça ouais. J'en ai plein le camping-car. Ouais. Bon, au pire tu m'envoies ou on va se débrouiller. Hein. Ouais. C'est vrai, quand on va se débrouiller. Bah voilà, on s'est bu une petite bière. Bah, c'est vrai qu'on était juste à côté donc. Bah ouais. Vous avez passé des bonnes vacances alors? C'est cool ici. L'île de Ré, c'est vraiment top. Hein. J'ai la tremblote à moitié, ouais. Non? Oula. Il fait beau, voilà. C'est l'émotion peut-être. C'est vrai, quoi demander plus? C'est un temps de malade, hein. Petit tour à vélo là, une heure. À l'aise, une heure. Une bonne heure. Là on arrive du phare des baleines. Et le port est juste derrière, par là. Là. C'est pas mal. Bon, il y a plein de monde. Bon allez, je fais un petit tour d'horizon. Voilà, on est à Saint-Martin. Puis là, il y a des ânes qui ont des pantalons. Alors, bilan des 50 bornes à vélo, là, après 10 ans de... 50 bornes bon, bah, en tout, on a fait 50 km aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait, DJ Super, j'ai adoré, vraiment. Ça faisait 15 ans que je n'étais pas venue à l'île de Ré, donc on a fait ce matin, on est allé jusque... Là, on est à Saint-Clément.
On était jusqu'au phare des baleines. Bah, ils verront sur le montage. Hein, les ouais, on est revenu par les marais. Caca. Et après, on a mangé ici. Gros coup de courage. On est allé jusqu'à Saint-Martin. Ça fait 20 bornes, en gros, ça. Ouais. Et voilà. 20 bornes, allez. 40 km, aller-retour. Et en fait, je pense ça aurait été, mais là, avec, on avait les deux filles dans la carriole. Vous verrez, je pense qu'il y a des photos. Oui, 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 oui. Eh ben, dur, j'en ai chié. Ah, moi c'est pareil, j'ai plus de jambes. J'ai même pas eu l'honneur d'arriver ici avec, j'en pouvais plus. Et comme il fallait arriver à 19h, Charles a pris le relais, parce que je pouvais pas avancer plus. Non. Si Filet Fab, vous voyez la vidéo, bah, on vous embrasse encore. Sympa de vous avoir rencontré. Peut-être qu'on viendra vous voir cet été, je sais pas si vous êtes dans le coin ou si on va par là-bas. Rien n'est sûr encore. Et puis, comme j'ai dit, hein, je t'enverrai de la musique. Alors, je voulais quand même parler de l'île de Ré. Hein. Bilan de l'île de Ré. Ouais, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est le paradis du vélo, on peut se déplacer dans l'île partout où on veut à vélo, ça c'est super. Le petit point négatif, c'est... Oh là, bah, il met sa musique fort, il y a soirée moule frites ce soir au camping. Point un petit peu négatif, des fois les gens sont un peu stressés quoi, sur les pistes cyclables. Faut dire que là, week-end de l'Ascension, il y a énormément de monde. C'est l'île, l'île est gavée quoi. C'était, il y avait des embouteillages sur les pistes cyclables. Donc les gens un peu stressés. Fait pas mal de réflexions. Je veux dire, on est tous dans le même bateau quoi. Moi je galérais avec la carriole en plus. Voilà, mais sinon, c'est franchement c'est magnifique quoi. Saint-Martin c'est superbe. Là le phare, terrible. Tous les petits villages sont superbes. Ouais. À voir, hein. Une destination que je vous conseille. Vraiment, c'est chouette, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah demain, moi, je suis en concert à l'Aiguillon, c'est juste en face, mais côté Vendée. Puis, on vous dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Petit pouce. Ciao. Bye.